Kura fɛ an na yɔrɔ fan fɛ ni masalu le lɔn tun kuma la ale jama ba tam la do kan ko chef de quartier Ibrahim Karfa la ko mɔ kana lɔ kuma la yɔ. Dans la soirée du vendredi, j'étais arrêté avec Massaliou, qui est un ami à moi aux abords du fleuve Milo. Ils sont venus nombreux. Ils ont dit que le chef du quartier leur a dit d'interdire aux gens de parler là-bas. Je les ai laissés avec Massaliou. Je suis allé à la maison. Le samedi, j'étais parti laver mes habits au fleuve Milo. Les deux sont venus me dire qu'ils sont à la recherche de Massaliou depuis la nuit du vendredi pour le livrer au chef du quartier. Ils m'ont dit maintenant de les suivre pour aller chez le chef du quartier. Je leur ai dit que j'irai le voir moi-même le lundi. L'autre a dit que si je ne monte pas, qu'il viendrait me chercher. C'est suite à mon refus d'aller que les deux sont venus me chercher armés de paires de ciseaux. Les gens qui étaient avec moi au fleuve les ont dit de me laisser. Ils les ont menacés avec des paires de ciseaux. C'est ainsi que je suis monté pour les suivre. Ils m'ont forcé pour me mettre sur une moto et m'ont envoyé dans la brousse. En partant, je leur ai dit que ce n'est pas la route qui mène chez le chef de quartier. L'un m'a dit de m'asseoir, l'autre m'a dit que si je pars, qu'il va me gifler. Lorsqu'on est arrivé à Madina, ils ont garé la moto, l'un voulait pisser. J'ai profité pour m'enfuir et me confier à un couple. Ils sont venus leur dire de me laisser. C'est là aussi m'ont laissé. Ils m'ont pris pour me mettre sur la moto. Arrivé un peu devant dans la brousse, ils m'ont violé à tour de rôle en me menaçant de me tuer avec des paires de ciseaux. Ce sont des passants qui m'ont amené chez nous. Alfla bele sirama.